F5. Hello, everybody. Welcome to Summer Game Fest 2024. You ready to see some video games? Sheesh! We are so thrilled to be here with you, and this is a showcase of what's next for games. Lui, c'est le W Gamer Fest présentateur. Now, if you're watching this show, first of all, welcome. I know everyone around the world is joining us in this special moment. And I know if you watch this show, you don't just play games, you deeply care about this art form. Je crois qu'il y avait une traduction, mais tiens. The good news is that we have a lot of amazing games to show you from creators around the world over the next 2 hours. Cette plateforme. Ah, mais il a pas mis l'extension, ils ont pas mis l'extension, ils ont mis le truc de Twitch. But let's also face it, this has been a tumultuous and difficult year with company layoffs and studio closures, which have disappointed all of us. But there's also something else happening. Our industry is evolving and changing. Thanks to digital distribution, smaller teams and new creators are finding incredible success. Take a look at this list from Game Discover of the top 10 best-selling new games on Steam so far this year. Two of them are considered, you know, big company games, but the other eight come from indie, mid-sized teams or solo developers. I look at this list, it's pretty cool, right? And I get inspired that new ideas, new teams, and smaller creators can and will break through. It's a reminder to big companies they have to treat their developers right, because today there are many paths to sustainability and success, and that's what makes this industry so, so great. C'est incroyable, Twitch. Okay, and you'll see that reflected in the show today, because over the next 2 hours, we'll have big franchises on stage like Star Wars, Batman, and Harry Potter, but also smaller titles, including a few games made by single individuals and first-time creators that we invited to be part of this show, because we think this platform is important as a way to show you new things that you might not even know about. So when you see a game that piques your interest, please wishlist it, or even better, send it to a friend and get them excited. Harry Potter, that's how le mode we together can grow the gaming community. And we are going to do that today over the next 2 hours, as we have a lot of games to show you, plus Day of the Devs directly after with even more indie titles. So should we get to the games? Yeah. All right. Lui, c'est vraiment le boss, il est parti de rien. Let's go, let's go! One première! La gratuite assassin sans même faire tourner la roue. Lego? The lead and unannounced action game. We see you as more of a sidekick. Oh, sure, I get that a lot, but check out my range. Okay, okay. Rage! Empathy. Oh, hilarity! This guy! Strength! Ah oui, c'est Horizon et Sénégo, oui, je crois, ouais, je l'avais vu passer. Mais... Oh mon dieu. Hey, need costume. I gotta get me one. Oh, déception. Ooh, sandwich. Sorry, gotta go. Who is that? That hot dog guy is Aloy, an amazing video game lead. Thunderjaw went mad and is tearing through the valley. Don't worry. Le pire, c'est que je crois que les jeux Lego sont bien, les gars. C'est ça le pire, ouais, mais avant, ils étaient mieux. Là, ils ont l'air, tellement ridicules, tu vois, mais en vrai, ils sont bien. Celle-là, elle a l'air pas ouf, mais, ils sont... Sinon, le reste, ils sont bien. Ouais, mais... Ça dégage la couleur. Mais non, elle a l'air incroyable, la dingue. Mais c'est toujours comme ça, c'est du platforming comme ça, vu du dessus. Non. En fait, c'est la 2D. De la troisième personne. Bah mais c'est une troisième personne. Ouais mais là c'est mieux, c'est je trouve que ce jeu va vraiment innover. Gotchi Game of the Year. Hey, je crois que Lego a déjà gagné un Game of the Year, non? Dark. Oh, you want mustard on that? On bat boss Dark. Ok. Horizon pour les enfants. Bon, déjà Horizon c'était beaucoup pour les enfants. Incroyable.
Mais bon. Incroyable. There you go. Wasn't that fun? That was Lego Horizon Adventures coming out later this year for PlayStation, but also day one on PC and Nintendo Switch. It's a playful, lighthearted story inspired by the world of Horizon, designed with two-player action in mind, supporting couch and online co-op. All right, now we're going to completely shift the tone to the next game from Torn Banner Studios, the developers behind GTA 6. Oh non, les gars, non. Calmez-vous, les gars. No More Room in Hell 2. On n'aura pas de news de GTA 6 avant au moins un an. Award-winning source mod. Au moins un an. C'est bien, pour le titre, ça. GTA 6 point d'interrogation, OMG, Summerfest conférence. Ok, bah, mettez ça, les modos, qu'est-ce que vous attendez? Oh! Oh mon dieu! Il a dit 8 joueurs coop, mec, c'est quoi ça là? Gotti? Ah, oh, ça va être vert, ça, non? J'ai peur. Non, non, c'est pas vert ça. Les deux mains bougent en même temps. Oh mon dieu, c'est du VR, je crois. Ouais, non, les deux mains elles bougent en même temps, t'as raison. Mec, the day after? The day... Oh mon dieu. The day after, mec. C'était les mêmes assets. Attends, non, il y a des assets, là? Ouais. Il y a toujours des assets sur le jeu, mec. Papy Log, j'ai peur, j'ai fait dans mon grand perso, j'ai peur et où il fait tourner la roue que j'aille dormir. Je peux pas, là, mec, mais demain, ok? Merci, mec. Bonne nuit. Permade, attends... Permadeath 8 player coop. Attends. Massive replayable. Oh. Attends. Et t'as vu c'est les joueurs qui deviennent des zombies ça. Ouais. Attends les gars, attends. Oh mon dieu. Ça, ça a l'air bien ça. Ça a l'air vraiment bien. Oh, c'est incroyable. Enfin, un nouveau concept. 8 joueurs en mode... En mode... Vampire Survivor, mec, en FPS. Et tu meurs définitivement. W Game. C'est roguelite. We're thrilled to have her with us. Please welcome Curious Joy. Non, c'est pas en mode royal. Je crois pas qu'il y a du... Tiens, hey, Google, t'as vu, il y avait du PvP ou pas? Non, c'est coop, non? Non, coop. Hi everyone, I am so excited to be here at Summer Game Fest. I'm here with you today to share some even more super fun trailers. So, let's get straight to another world premiere. This is yeah, our let's go. Game from a beloved franchise. Let's take a look. Alors? As young witches and Animal Crossing 2, Road 76, Road 77, le Quidditch. Oh non, Harry Potter mobile, mec, prépare toi. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Sims Harry Potter mobile. Si, 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 c'est ça. Kim Potter. Quidditch mobile. Non, non, Gotti, je voulais dire. Gotti édition, ouais. Oh my god, this oh, game wow, is incredible. Wow. Oh, oh, ew, what the fuck? No dream is too big. So ask yourself, do you have what it takes? Les gars, mobile ou pas? Alors. Do you have the heart? Mobile ou pas? Mobile ou pas? Mobile ou pas? Mobile ou pas? Le concept, c'est vraiment le jeu. Oh, je suis mobile tous les jours. Mec, peut-être pas, hein. Ils ont fait un jeu Quidditch, clairement, en fait. Alors, App Store? Apple Store. Steam Xbox. Epic Games, mec. Yeah. Non, mais ils ont fait trop bien, mec, en vrai. Let's go. Let's go. Deux de chat. Oh my god. Au lieu de faire le DLC de Hogwarts Legacy, eh bien, autant sortir un jeu trop stylé comme ça. Yes. Yes. Hashtag Quidditch. His last title, Choo Choo Charles, was a fan favorite, and he oh, showed me. C'est lui qui a fait Choo Choo Charles, mec. A few months ago, and I really wanted to debut it here. Get ready to backstab, race, or cooperate with up to 20 of your friends. 20 joueurs. Oh. Cuff bust. Cuff bust, oh, mec. C'est mec qui a fait Choo Choo Charles. Allez hop, jeudi soir, mercredi soir. Allez hop, encore une masterclass. Vous ramassez le savon. Ouais.
Mec, le jeu a l'air formidable. Il a l'air incroyable. C'est un escape game, mec. Je quidditch, tu quidditches, il quidditch, nous quidditcham la roue. Qui est PVP. Mec, les animations, elles sont... Elles sont trop marrantes. Parfaites, elles sont parfaites. Mec, faut juste que ça soit PVP, c'est carré. Non, non, c'est pas PVP, mec, c'est pas PVP, c'est pas. Le but, c'est jamais de la prison. Qu'est-ce que ça a l'air cheap quand même, hein, mec. Tu sais, genre, les mecs sont plus gros que supposé, tu vois. Eh, mec, de ce qu'on voit, le jeu, il est carré, hein. Eh, mec, non, mais c'est que des masterclass, mec. Beaucoup d'originalité, hein. Que des masterclass. Un dégoût. Oh, j'avais un code. Quoi? J'avais un code. Y'avait un code quoi? J'avais un code. Oh non, y'avait un code. T'as clip, fais-le. Je le clip. Je fais pas avec le code. C'est quoi comme code? C'est un code de jeu? Y'avait un code, mec, écrit. Putain, tu le caches avec ton corps. Connard. Mais regarde sur YouTube, mec. Tu peux regarder la rediff sur YouTube. En temps réel, pas comme Twitch. Allez hop, Cup Bust, prochaine masterclass. 20 joueurs. That's a fun 20 one, right? And remember, that's all made by one person. Congratulations, Gavin. Un so mec. Glad to have that on stage. Un mec qui a fait ça. All right, next one of this year's most anticipated games is Star Wars Outlaws, coming out on August 30th from Ubisoft and Lucasfilm Games, the first open-world Star Wars game where you live the life of a scoundrel. On Monday at 12 p.m. Pacific, you'll get to see a full gameplay showcase during Ubisoft's Forward event, streaming as part of the continuing Summer Game Fest events. But right now, we've got an exclusive new glimpse at the game, just a small taste of what's to come. Ok, on va redécouvrir encore. Je connais par cœur, hein, les gars. Je connais très bien par cœur, moi. Ok, c'est un nouveau trailer. Let's raise the stakes, shall we? Yannick Casino. C'est bon, c'est gagné. Game of the year. Mec, je vois pas comment ça peut être un mauvais jeu. Voilà, je vous dis la vérité. Je vois pas. Ça me rappelle quoi. Ça me rappelle beaucoup trop le concurrent, ouais. Le Star Wars concurrent, là. Mais mec, vous faire quoi avec les codes? T'as vu un code encore? Notez tous les putains de codes. À la fin, tu vas gagner un truc de baiser, mec. That there's stuff that we're going to get to play in the next few months here. All right, well, moving back to smaller teams, a few weeks ago I had a chance to play through this next game, and I have to say, it is really spectacular. Neva comes from Nomada Studio, the creators of the Game Award-winning game Grease. It chronicles the story of Alba, a woman bound to a curious wolf cub. Here's your first ever look at the gameplay. Ah, enfin on peut se reposer, putain, mec, là il a allumé fort, hein. Il le dit à la fin, il faut... Il le dit à la fin, il faut écrire le code. Ouais, je pense, ouais. Eh, on peut enfin se reposer, merci. Il a allumé très très fort, hein, la conférence, pour le moment, ça se passe bien, hein. Apparemment c'est un code Steam, mec, mais c'est déjà claim. No way, impossible. Ah, ça fait du bien, mec, je me suis dit, une conférence sans jeu comme ça, les gars, c'est pas une conférence. Je vais dire jeu de... incroyable. Non, incroyable, vraiment. Mais, tu sais, genre, une conférence chat sans un jeu comme ça, on est d'accord, c'est pas une conférence de jeux vidéo. On est d'accord, hein. T'as toujours un jeu en mode 2D qui aurait dû sortir il y a 25 ans. Toujours. Après, mec, je dis pas que c'est des mauvais jeux, attention. Genre, généralement, c'est souvent des masterclass. Mais bon, c'est pas mon genre de jeu, quoi.
Généralement, c'est souvent des masterclass, les gars. Trust me, that game is such a true work of art, especially when into some of the combat. It is W, fun to play, and there's W much game. More W today, L. Revolver Direct, which will air directly after the Day of the Devs on this same stream. So we've got lots more for you. All right, next, it's time for our next game announcement. J'avais besoin de ce jeu pour aller chercher des chips. Oh, Dune. Oh non, c'est pas Dune. Mais c'est quoi? Oh, non, c'est pas Dune, mec. Architects of fate. Working in these walls of time. Attends. Let us all for death prepare. Attends. Non, c'est Égypte. Ah, attends, attends, attends. Let me not then die in glory and without a struggle. Et Jeff Empire. Civilisation. But let me first do some Total War, peut-être. That shall be told among men. Ouais, civilisation. Each of us shall endure this world's life until the civilisation mobile. Attends, 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 attends. J'ai une code là. Your names shall not be lost. Prends une photo, le code. Oh, c'est le meilleur truc. So it shall be. So it shall be. Ouais, voilà, civilisation. Civilisation, histoire, géo, simulator. Il sort au moment de GTA 6. Tout le monde a pensé à ce jeu avant GTA 6. Hello everyone, it's Summer Game Fest. Oh mon dieu. Attends, lui, c'est le directeur. Tu t'étonnes vraiment pas pourquoi le jeu est comme ça, tu sais. Le jeu qui est une masterclass, je crois, hein, civilisation. Mais ça m'étonne vraiment pas, mec, de voir le directeur comme ça. Our incredible fans around the world. C'est ton propre histoire, quoi, tu sais. Il a décidé de faire un jeu, bah, ça, succès, il a fait succès. Ça a réussi, ton propre histoire. Non, en vrai, il a trop gentil, mec. Mais ça, mec, je critique pas, en vrai, mec, ça m'étonne juste pas. Tu sais, que son jeu est nul. Moi, je suis rincé, rinsax est nul, mais son jeu est bien. Oh, attends, ça enchaîne. C'est Wukong. Wukong, le Dark Souls. Oui, le Dark Souls là. Ouais, le Souls like. Alors Godzilla. Mec, attention. Moi, attention, celui-là il peut être un très bon jeu, mais attention, il va être très. Je pense qu'il sera beaucoup plus arcade que Souls. J'ai regardé un peu de gameplay. Si on a, il y a plein de gameplay de ça déjà. Et il est un peu soulesque, mais il y a un côté très arcade et très rapide aussi. Oh, t'avais pas pu le mettre dans ta poche, mec, et pas dans ton oreille, genre. Je veux montrer du vrai gameplay et pas des. T'aurais pu le mettre dans ta poche, mon frérot, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Non, ça s'appelle des skins. Qu'est-ce que tu fais, là? Je vais ranger des trucs dans tes oreilles, là. Mon dieu. Oh waouh, 20 août. Il sort pile au monde du DLC, tout le monde va penser à ce jeu avant le DLC. Quel DLC? Les DLC Elden Ring. Mais non, il sort ce mois-ci Elden Ring. Ah mais merde, excusez-moi chef, oublie ce que j'ai dit. Oh my god. The best VR game ever made. De fuir la réalité de merde et se retrouver en jeu VR. Qu'est-ce que Google fait dans Wukong avec ses gros sourcils? Qu'est-ce que Google fait dans Wukong? Perhaps humans were fated to build the monoliths. Meta quest best. Heaven and returning with a gift. Ça c'est Dune. Ah mec, hey, chat, je vous explique. Non. Vous voulez savoir qu'est-ce que j'attends moi là? Quelqu'un devine s'il vous plaît. Dune Awakening. Quelqu'un devine. Allez, le premier qui te sort, je mets VIP. But chaos. Every new high. Witch 5. It's a terrible fall. Simulateur de simulateur 2. Il est déjà VIP. Subnautica. Even in the depths of the unknown, like me. Subnautica 3, les gars. Subnautica 3. We die to live again. Ah.
Non, on a déjà vu ce jeu, mec, il est sorti en pré-alpha et tout. Et il paraît que ce jeu est pas mauvais, les gars, je l'ai jamais testé. J'avais une clé et tout pour le test, mais j'ai jamais testé. Mec, tous les jeux qui ont un monde qui mélange tout, ils floppent. Bah, mec, franchement, faut le test, lui, parce qu'il est très RPG et... Tu sais, genre, tu ramasses des mitraillettes et elles sont plus ou moins fortes. Et par rapport à ton niveau, elles font des dégâts, toi. Yes, des jeux dans le Game Pass. Oh, wow. Wow. Waouh! Oh, je suis trop hype! Attends, mais c'est même pas. Eh mec, on a dit que c'était le Game Pass! On a dit que c'était le Game Pass, hein! C'était ça, c'est le gaming! Attends, mais c'est ça, c'est vraiment Samsung Gaming, les gars? Ça, les gars, y'a un monde, c'est un banger! Ça, Google, on va y jouer, hein! Incroyable, Gauthier, Game of the Year, sponsor, Hashagan. Je suis pas là en septembre. Oh mon dieu, lui. Welcome back to Summer Game Fest. We've got some amazing developer guests joining us throughout the show, and I'm very excited to introduce our first guest. They are legendary creators who are working on a brand new fantasy RPG Metaphor, slated to launch this October. Please welcome the director and art designer of Persona 3, 4, and 5, Katsuhiro Hoshino and Shigenori Shojima. J'ai accepté une OP Persona pour ma meuf. Vous vous rendez compte? Genre, c'est quand même un truc de ouf. Atlasの Hashino desu. 今日は, Sojima-san to 一緒に... Et elle a littéralement 40 heures de jeu sur le jeu. Thank you everybody. It is a pleasure to be here. My name is Hashino and I am the director of Metaphor. J'ai fait 5 heures de jeu qui parle. Tu veux que je traduis en avance? Ce jeu est ce jeu va être hashtag Gucci. Mais mec, il faut gratter le hashtag là. Mais frérot, tu crois que c'est parce que tu vas mal traduire et te foutre de leur gueule qu'ils vont donner un hashtag? Mais non, je dis que c'est Gucci, mec. Bon, laisse les parler, putain. These archetypes allow you to fight against your enemies. Archetype sniper. Archetypes are the embodiment of power born from the will to face your fears and anxieties. We gave it our all to instill each and every archetype with a feeling of strength and uniqueness in each of their designs. In total, there will be more than 40 types of archetypes available in the game. These archetypes can gain experience and even evolve. Some of them can evolve into stronger versions. Ils aiment le sens sensationnel, mais on fait pas assez kawaii. In fact, we've even brought our latest trailer today, which is centered around the topic of these archetypes. Thank you very much, and we hope you enjoy it. Première Van RP. It is said that we all have inherited heroic virtues deep within us. The reality is, we oppress. A great evil flows through this land. Mec, moi, je peux pas montrer ça. You have found a way to wield true magic. Ça nique les yeux, je te jure. Mais mec, je regarde ça tous les jours. Ah, tu regardes des animés tous les jours comme ça, là? Non. Ah, mais tu m'étonnes que tes yeux sont rouges. Will gather to your side. Remind people that the same powers lie dormant within them. Ah, mais c'est pas personnel, les gars.
You must c'est un autre, un dérivé de Persona. And bring them together. Persona le retour. How's this? Gower. Ils ont trop exploité Persona. No holding back. Now you've acquired a most interesting power. An archetype whose existence was only theoretical. Mec, ça me baisse les yeux. Comment vous faites pour regarder des animés tous les jours, les gars? Oh, le gomiste. Je dis ça, je vois qu'il se défend. Gauthier. Xbox! Xbox! Such an honor to have Hishino and Tsujima with us on stage. Thank you guys, and for that deep look at the archetype, such stunning visual designs. Now we're going to jump into the Arkhamverse. Batman Arkham Shadow is a MetaQuest 3 exclusive VR game coming later this year. As Batman, you face a new threat, the mysterious Rat King and his cultish devotees. Here's your first look at the story trailer for Batman Arkham Shadow. Oh non, putain. Non, pas les looks là. Ah? Mais oh non, c'est VR, mec. There's a new darkness. How should we take in Gotham? Driving the city mad. The only light left. Deception of the year. Is from the fire in the streets. Casting shadows of rats on everything that was once good. Fear is their weapon. But they're not the only ones who can use it. Oh mon dieu. La menace. The Rat King will stop at nothing to destroy my city. How far will I go to destroy him? Ils savent que les jeux VR sont moches. Pourquoi ils montent pas le gameplay? Oh mec. Oh la déception, mec. Un nouveau Batman, ça aurait été cool. For the official gameplay. When the bat falls, the rats Fallout 12 rise. Oh mon dieu. Batman vs Superman Flop Edition. Ouais, je vais faire des pompes, les gars. Vous me rappelez. I am looking forward to heading back to the Arkhamverse. Vas-y, je compte. Now, it is time to update fans on a legendary fighting game franchise. Non, mais là, tu twerk, là. Tu fais pas des pompes. That includes me. Because I have been a fan of this series ever since one of its first iterations and have been playing each one ever since. So, let's check it out. Je vais monter en 90-10. Attends, mec. Pause, relève-toi. Jojo Bizarre. Attends, j'ai pas écouté. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? Non, putain, méchant. C'est quoi, c'est Anime Fighter, Street Fighter. Et il va faire de mon écran. Ogiz? Ogiz! Non, c'est mon mois d'anniversaire, mec, il faut que je la réussisse. Bogis ? C'est un signe. Bogis ! W Elena, Street Fighter animé version. Ok, allez, vas-y. Oh, t'as quoi le coup ? Tu t'excites ? C'est l'antagoniste. Ah ! Waouh, c'était une peluche avant. J'ai fait 4 crises d'épilepsie entre temps. Game of the hour. J'ai pas dit John Cena, vous êtes bête ou quoi? Oh wow! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. RTS. Oh! Pas ce style de combat!
Oh non, je suis mort. Mec, c'est mon neveu qui a dessiné ou quoi là? Je fais des pompes, frère. Pourquoi tu t'es relevé là? Hein? Je fais des pompes. Pourquoi tu t'es relevé? Ouais, là, il faut pomper là. C'est vraiment pas pour ça. C'est ta game of the year. Gucci, game of the year. Go up. Hack slash. Non mais c'est un jeu console, il sort que sur Steam. Il a la gueule d'un jeu console. Eh hey, tais-toi là. Laisse-nous regarder là. Oh, oh, Naruto. Oh mon dieu. Dragon Ball Z Tenkai sur Budokai. Naruto Shippuden. Non. C'est Dragon Ball. C'est lui One Piece. Mais. Hein? Super Saiyan. C'est lui One Piece. Non, c'est Goku, man. Goku, wait. There you go, Internet. We got your release date for Sparking Zero, October 11th. Now we step into the world of Delta Force Hawk Ops, a free-to-play tactical shooter available to play on all platforms. Here's a look at their multiplayer FPS extraction mode. Team, rally up. We've got a new mission. Operation Lightning Strike. The situation at Zero Dam is now very serious. The conflict's escalating between Havoc Corps and Alstar. Mec, le gameplay est formidable. It's time to take action. Objective. On a rien vu là. Collected non, on a déjà vu du gameplay ça. Located at the tourist center at the southeast. Et il est fou, mec. We need to utilize terrain for stealth insertion. Execute swiftly and silently. Regarde ça. Oh. Looks like someone beat us to it. We need to pick up the pace. Le Tarkov américain. J'ai dit Ornat. Among Us is day before. Hein? Quoi Among Us? C'est le boss. C'est quoi cette animation? T'as vu comment le mec il est tombé là? Mais ouais là, deux fois. T'as vu le mec qui tombe instant par terre? C'est encore là! Oh! Ah, mais c'est PVP! Mais oui, c'est PVP, mec, t'as pas compris que c'est un Tarkov, mec! Je croyais que c'était un Rudy or not. Le drill est over. Operation commences. Good luck! Y'a un monde, c'est bien ça! Cosplay, c'est carré. But that is not all. The game's premium campaign mode, Black Hawk Down, is a reimagining of the original game. Oh, Black Hawk Down! It's also fully licensed to recreate moments from the award-winning Ridley Scott movie. Oh, en mode campagne, Black Hawk Down. First look at that gameplay. Alors ça, les gars, alors ça, je le fais. Oh, ça, c'est de la folie. Ce film, c'est une folie, les gars. Black Hawk Down. Oh! Stylé! Oh. En mode MW3! Mais non, mais en mode Black Hawk Down, bon, t'as pas la ref parce que t'étais pas né, mais. Mec, on dirait trop la campagne. Oui, va regarder Black Hawk Down le film, mais me fais pas chier. Non, j'ai pas le troll sur le jeu. Shut down!
Chat. Wesh, ça là. Il y a anguille, il y a un gouille sur roche là, il y a anguille sur roche. Ouais. Ouais, tu sens un peu là? Ouais, je le sens de ouf, ça. Ouais, je sais pas là, il y a anguille sur roche. And now, I have an update for you on Fatal Fury City of the Wolves. For real this time. Mec, tu dois pas être en événement spécial. Je m'en bats les couilles. Oh mon dieu. J'ai d'horreur. Ah, Street Fight. Grandi, il est de retour. Les légendes du passé. C'est qui? C'est quoi ce connerie là encore? Street Fight. Vas-y, je vais faire des pompes. Street Fighter Street cette fois-ci, c'est un autre jeu. Ogiz. Your legend begins now. Fatal Fury. Coming. Allô, Infinite? Locke, fais tout ce que tu veux, mais ne te relève pas. Ne te relève pas. Qu'est-ce qui se passe là? Non. Ils ont utilisé Halo encore pour faire une pub annexe. Dolby. Ouais, alors les écrans sont quand même sacrément meilleurs. Je dois le dire. Benchmarké technologiquement au-dessus, quoi. Point d'exclamation Asus. Point d'exclamation Asus ROG Swift, mesdames et messieurs. Point d'exclamation Intel. Point d'exclamation, cliquez sur tous les liens. Bon, bah je retourne faire des pompes, hein. Attends, mais je suis trop vu voir le fight là. Oh mon dieu, la magicienne. Oh mon dieu. Emoji énervé. Emoji content. Bro Alain. Bro Lala 2. Bon, on peut arrêter de voir du gameplay. Oh mon dieu, non, remettez la version animée. Remettez la version animée. Squad Buster et tout. C'est un pummel party. Combat. Game of the Year. Montre la version tradée. Wow. Montez stade. Oh mon. Animation de hier. Oh. Oh mon dieu. Aimbot of the Year. Croquis. Pourquoi me montrer les croquis, genre? W ou L? Franchement, j'ai pas répondu. We're back here at Summer Game Fest, and that was a look at Mecha Break with its immersive aerial and ground combat with lightning fast maneuvers.
Next, Jason Blum and his Blumhouse banner have become synonymous with incredible horror films over the years, like Get Out, Megan, and last year's Five Nights at Freddy's. Well, now Blumhouse is entering the video game world in a big way. Blumhouse qui fait des jeux? Attends, mec. Oh mon dieu, c'est quoi ces graphismes? Oh! Oh! Killer Frequency 2. Oh, je... Oh mec, t'as entendu ce que j'ai entendu? Non. Code zombie? Vengeance will take shape. C'est code zombie, mec, t'as pas entendu? Non. Mais c'est directement, littéralement... Oh, ah mais... C'est une blague. Non, c'est une blague. Mais qu'est-ce que je... Mais qu'est-ce qu'on vient de voir, là, les gars? Mais c'est mensongère. I must not. C'est de la VR là. Non. I am terrified to sleep. And I am scared to death to stay awake. Je me fais laver le cerveau. Qu'est-ce que je regarde? Don't worry, Bill. Ah mais il sort plusieurs jeux. I'll protect you. Non mais c'est le même jeu. Amy, I'll save you no matter what. Just go home. Non mec, c'est plusieurs Amy! Jeux. The local police department asked me to help with a case. Why would they need a game? Oh mon dieu, enlevez ça devant mes yeux là. Should have some developer mode. Attends, pause. Non, je sais. C'est un éditeur de jeux, mec. C'est oui. Un éditeur de jeux vidéo. Mais c'est Bluma aussi, ceux qui ont fait le film FNAF, tu sais, ils sont dans le gaming. Ah, ok. Trop cool alors. Dark times await us. Bah, c'est que des jeux d'horreur, quoi. T'as pas entendu le début, mec, c'était littéralement code zombie. Il y avait un jeu code zombie hein au début. Mais tiens, vous avez entendu le code zombie au début. En vrai c'est très bien. Quoi ils font un hashtag à chaîne Twitch. Please welcome Jason Blum, CEO and founder of Blumhouse, and Luis Blaine, creative lead at Blumhouse Games. Séance de sport. C'est un dead. C'est salut, toi aussi, t'es un dead. Eh mec, je triple. Je travaille, je fais ma séance de sport et je me renseigne sur le jeu vidéo. Insane. Et en plus, j'encaisse Big Money. Very busy. Merci, gars, pour les I'm very happy Big to be money. Here. Thank you for having us. Thank you guys all. Great to hear the fans thank out you, there. Thank you. I know. You'll all be very happy to know we're working at this very minute on the sequel of Five Nights at Freddy's. It's coming. Don't worry. Anyway, horror is, to my great relief, getting more and more popular. Our movies are working. It's working on streaming. It's working on live events. And we wanted to try and take our approach to movies en fait, and apply it to games. Des and that's what you see here. We're going to do independent games. We're going to look for creators and give them a platform and encourage these creators to be weird and subversive. Ils and vont aller voir les jeux indés, up, prendre les créateurs de jeux indés et tout, et les prendre dans leur into really dans leur cool games. Donc ils vont vraiment aller voir dans les vrais talents, quoi. Great. It's a really diverse, cool slate. Luis, tell us a bit about. We saw a bunch of games there. What can you tell us about kind of the overall lineup of games? As you just saw from our slate, our horror games are a lot like Blumhouse movies. They come in many different flavors of fear, which means there's a horror game for everyone. So maybe you're a fan of nostalgic '90s experiences with a bit of a twist. Intense first-person shooters, or maybe Jeff, you just want some bonus murder in your otherwise very cozy farming sim. I think, you know, we as horror fans, we know that there are so many different subgenres to explore, and our independent development partners, they feel the same, and they're just as excited, which means we've got psychological nightmares, hey, we have supernatural Gucci, scares, je we have eux qui vont les faire, là, je pense. And our team has worked really hard to work with global, creative, talented partners. And that means for us as we're working in indie projects, which means that we can take risks. You know, we can be flexible and really we can push the limits of what's possible in scary storytelling. And we're so excited. Yeah, no, it looks awesome, all the stuff you have there. And I know
you know, we'll get into when games are coming out, but some of these are coming soon, Jason, right? We got a good slate. Well, yeah, we're on PC and console, and yeah, we wanted to start with not just one, but we wanted to start with a few games. So so you want to tell us about those? Yeah, so Fear the Spotlight is our first release coming later this year, and it really hits our mission statement. It's an amazing 90s horror experience. It's got great characters, a compelling narrative. It's also super creepy, and I think people will be big fans of it, even if you're not normally into horror. And quickly, actually, Fear the Spotlight is getting its first trailer as part of the Day of the Dev showcase, so stay tuned after the show. Directly after. Awesome. Well, I know this is just the start, so we'll probably be seeing you in future years with more from Blumhouse Games. But guys, what do you think of the slate? Pretty amazing, right? What these guys are pulling off. Jason, Luis, thanks so much for being here on Summer Game. Thank you, guys. All right. Ça, c'est de l'innovation. And now, here's the world premiere of a brand new Power Rangers game with a retro feel. World premiere Power Rangers! Sortir son jeu à ce point. Oh non! Qu'est-ce que c'est triste? Ah, je l'ai dit bon pour ramener mon gars. Oh non, c'est Squeezie et Natsu, les gars! Oh non! Non, pas mon Natsune. Yat. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils traverseront l'hiver. Nous grandirons ensemble. What a beautiful game, Deer and Boy, which comes from first-time developer Jason Houdet in Paris, who started that project alone in 2020 during the pandemic and now has a team of eight helping him realize his vision with financial aid from the French government. And games like that are why we do this show, giving first-time developers a chance to show you what they're working on. All right, next, after a long wait, Kingdom Come Deliverance 2 is arriving later this year. This is a first-person open-world action RPG from Warhorse Studios. Here is a brand new look. The best laid plans of men don't always come to fruition. Man proposes, but God disposes. And then boots you right in the balls. A Dead Redemption light. These two young fellas, Kingdom I need to come find them. Deliverance. One's a smart ass. Deux.
and the other's a blue-blooded fledgling. Le premier était un baigneur exceptionnel, non? You behave like a spoiled brat. How dare you speak? Gentlemen, praise be to our Lord Jesus Christ. Exceptionnel. Our Father, there are many sinners in this world. But in the end, we will face your judgment for what we should have done, but lacked the courage to do. The last time I ran away, I lost everything. I'm never gonna run from that fucker again. Kiss our asses! God, is this retribution for my sins? To the task! Il a l'air carré. Mec, tu fais le premier, je te jure, c'est. Jamais lancé, mais c'est une le fucking task. Comment on fait comment en fait? C'est compliqué à comprendre. C'est un mode histoire. C'est VR. Pas en VR, c'est bien. Next, we step into the dark mind of Silent Hill creator Kayuchiro Toyama. Ah, Silent Hill, okay. Back in 2021, we announced his new game, Slitterhead, at the Game Awards, and now we're giving you a look at the gameplay from his independent Tokyo-based studio. On l'a vu hier. On l'a vu hier, ton truc, là. Du PNJ, là, le PNJ Walker. C'est quoi, c'est Pepe Walk, là, ou je sais plus quoi, là? C'est Cakewalk! Cakewalk! Ah, je comprends. tiens, le mec il marche comme ça. Oh. Wow! Passez-moi du gameplay. Ah, voilà! Hein? Mais attends, mais c'est pas le même jeu là! Mais attends, c'est pas le même jeu. Ah, c'est encore un jeu méga bizarre, tiens. Ouais. What the fuck? Oh, pardon. Versailles. Parasite en version bordée. Tokyo Ghoul X Parasite X du bullshit. Là, c'est totalement ça. Hein? Va être transpercé. Yoshi. Oh mon dieu. Mec, regarde ça. J'ai plus à 7. J'ai plus à 7. J'ai plus à 7, les gars. That's what I call a dramatic entrance. There's a reason why I'm called Killer Bean. Attends, mais ce jeu, il est fou, je crois. Oui, ce jeu, il est fou, mec. Really? Chiche! Really? Dies of Cringe. Mais il existe pas déjà, mec. Le dunk. Boom. Dommage qu'il ait pas PVP. Shadow Agency. An international organization powerful enough to shape the world. Until they lied to me and tried to kill me. Now, I'm gonna destroy them. You're the gosh darn idiot who wants to take down the Shadow Agency! We
Well, it is sure nice to meet you. Before you die... Oh, des zombies. Chiche, kill streak. They made me who oh, I am. Oh mec, and I will make them pay for it. Wow. Killer bah. Honnêtement mec, l'un des meilleurs jeux de la conf pour le moment. Glad you like that one. That was Killer Bean, a third-person roguelike shooter made by another single developer, believe it or not, un right développeur, here in mec. Los Angeles, allez, Jeff Liu. De toute façon, c'est les un développeur qui vont tout niquer, like mec. Matrix Reloaded. So fun. It's amazing what can happen in this industry. All right, to introduce their brand new game, please welcome from the Game Bakers, a small independent studio in Montpellier, France, Audrey LePrince and Emmerich Toa. Hello, Jeff, everyone. I'm very Salut, happy to be here. RPZ. When we created our studio, Emmerich and I, we quand on a appris l'anglais à l'école, eh bien en fait, bah on n'a jamais vraiment so appris l'anglais à l'école. Fury and Haven, donc j'ai dû prendre des cours de rattrapage après. Our new game, Cairn, a survival climber. Et j'espère when que vous teenager, allez apprécier notre futur jeu, qui s'appelle Cairn, qui est un jeu de survival, d'escalade, de survival. In such voilà. Extreme conditions. C'est Inner terrible de voir des alpinistes comme Inorstag risquer leur vie et polluer l'Everest. Cairn is a game about what it takes to go alors Cairn, beyond bah, c'est l'histoire d'Inorstag, un jeune you youtubeur, mesdames et messieurs, qui est trop investi par son travail et trop investi dans les prouesses et dans les challenges. It's very qu'il a tellement one-up sa chaîne YouTube qu'il était obligé de gravir la montagne la plus haute. And the mountain. And what you're going bon, to see ne critiquez pas trop mon anglais parce que, tout comme Inorstag, j'ai pas appris l'anglais à l'école. You can see more later today during et the vous allez devs, pouvoir voir un petit peu plus sur Inorstag à la fin de la journée. Summer Game Fest qui va leak Inorstag est en vie. Oh waouh! En vrai, peut-être un banger, les gars. Ouh, peut-être un banger. Attends mec, si tu passes ta vie à grimper, en vrai c'est insane. Ce qui manquerait c'est du loot. On veut du loot pendant que tu grimpes. T'imagines, tu trouves du loot? Impossible. Chigochi. Headshot. Elle s'est pris pour Google, elle. Elle a gueulé, les gars, elle, a pris, elle s'est pris pour Google. Tiens, bah tiens. Mec, c'est je fais pas des un message, je vais faire des pompes. Toi, tu vas être fatigué juste après le react. Moi? Non. Mais oui, mec. Tu sais que mes séances de sport, je les fais toujours après le stream, là. J'ai tellement pas de time en journée, là, je m'occupe du daron, là. Allô, quelqu'un en vie? Merci. Mais j'espère vraiment qu'il y a des... T'as vu, elle gueule. Everest. En vrai, ça a l'air bien. Everest by Inorstag. Oh, attends, pause. Mais c'est eux, c'est eux, c'est eux, c'est eux. Et je sais que dès que tu vois Annapurna, tu penses à Rose 116. Me casse pas les couilles. I'm a fighter. I'm meant to be in the arena. In combat. But instead, I'm out here in the middle of the woods, running a tea shop. So, what does running a tea shop involve? Well, j'ai une troisième personne. Attends mec, tu vas voir, ça va partir en couille. Parce que la meuf, elle a dit, je suis une combattante et je suis fait pour être dans l'arène, mais au lieu, je suis dans ce truc à café, quoi. Ça va partir en couille, tu vas voir. En vrai, c'est peut-être un banger, ça. Je m'assois carrément. Of course, I have to actually serve the tea to our customers. And once that's done, I'll usually check in with Boro, the guy who owns the shop, to see if my help is needed anywhere. Tout le monde meurt, peut tout, c'est la guerre mondiale. When all the chores are done, sometimes I'll just mais non, mais sit c'est on comme the bench jeu qu'on avait joué là. Do absolutely nothing.
Ouais. It's not fighting. Moi, je vois le supermarché là. Ouais. It's peaceful. And what's weird is that I actually feel good. I'm happy. I can stop running now. I can stop. I can stop. Plot twist. I can stop running. This is good for me. I need to enjoy this. I feel good. I'm happy. Voilà, 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 voilà. Happy. Sombre. Ouh, ça mini leak. J'aime bien mec, le route. Mini-leak. Le mini-leak, mec, j'aime bien. Giga hype, hein. Ouais, pas mal, pas mal. Est-ce que c'est giga hype, non?